je suis arrivée dans le Grand Bain, ils m'ont dit tiens, voilà le process de comment on crée un catalogue. Donc c'est un process qui fait 200 pages. Moi, ça m'a plu de me retrouver en entreprise parce que ça permet de se poser les bonnes questions. Et du coup, quand tu es à l'école, tu poses les bonnes questions aux intervenants. Tous les Master 2 sont en alternance, donc c'est uniquement du contrat de professionnalisation, il n'y a pas d'initial. Ils sont du lundi au jeudi en entreprise et le vendredi, ils viennent à l'école pour terminer du coup leur cursus. Je trouve que le rythme, il est bien parce que honnêtement, on a le temps d'être bien plongé dans l'univers de l'entreprise, vraiment de voilà, participer aux missions, on n'est pas perdu. Alors moi, ce que j'ai choisi, c'est d'aller dans une spé créa 360. Donc là, je fais que de la créa en cours et par contre, quand je suis au travail, je fais que de la gestion de projet. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je suis un peu le Tinder de l'emploi à l'école. En fait, le but, c'est qu'il y ait un entretien d'orientation avec l'étudiant où je cible son projet pro et après, je le fais matcher avec les offres qu'on reçoit directement de nos partenaires. Franchement, pour moi, le top, c'est l'ouverture d'esprit. Ça me fait changer en fait ma vision des choses, moi qui de base ne viens pas vraiment d'accord. Déjà, c'est bien situé, c'est très familial, il y a une proximité avec les intervenants, aussi bien qu'avec les personnes de l'administration. Je pense que les 3 meilleures années de ma vie. Au niveau du taux d'employabilité, donc à l'école, depuis 3 ans, on est au-dessus des 90%.